Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et certainement, vous êtes déjà dans votre lit ou prêt à vous coucher. Et le Seigneur va vous remplir afin que votre sommeil soit doux et paisible. Je vous encourage à fermer les yeux là où vous êtes et on va déclarer ensemble des paroles. La présence de Dieu va vous remplir. Vous pouvez déclarer avec moi. Le jour décline. Voici maintenant le moment de dormir et de me reposer. Demain, je me lèverai, s'il le faut de bonne heure, pour me mettre en route, et je vaquerai à mes activités, rempli de la présence de Dieu. Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Pour ma part, je dormirai bien, car je suis un homme de repos et de paix. Si le froid m'empêche de dormir, tu me réchaufferas. Si la chaleur éveille trop mon âme, ta douce brise viendra sur moi. Si j'ai volé la couverture et le manteau du pauvre, je les lui restituerai. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, l'Éternel t'a fait du bien. Dieu, tu m'as délivré du péché et du pouvoir de la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai et je dormirai encore sous ton regard, au pays des vivants. Car tu m'as donné la vie. Oui, tu m'as donné la vie. Cette nuit, Dieu, visite-moi. Dites-le-lui avec moi. Cette nuit, Dieu, visite-moi. Cette nuit, parle-moi. Révèle-moi ce qui m'est caché. Avertis-moi et instruis-moi. Que mes rêves soient remplis, chargés d'instructions, alors que mon sommeil est paisible. J'ouvre mon esprit à ta présence. Que ma chambre maintenant soit remplie de ta présence. Que mon cœur, le temple que je suis, soit rempli de paix. Soit rempli de la présence de Jésus-Christ. J'ouvre mes pensées, mon esprit, mon cœur, à tes songes, à tes rêves. Donne-moi des rêves, inspirés. Donne-moi des songes qui viennent de toi. Instruis-moi et dirige-moi. Jacob est arrivé dans un lieu où il a passé la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha là dans ce lieu et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. » Et à ta postérité. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette nuit, les pensées que Dieu me donne sont inspirées par lui et que ma chambre, mon lit, devient comme cet endroit où Jacob a posé sa tête. Mon oreiller, mon coussin sur lequel ma tête est posée, mon lit sur lequel ma tête est posée, devient comme le temple de Dieu, le trône du roi des rois. Et les anges de Dieu descendent et montent dans ma chambre. J'en suis entouré. Entouré de la présence du roi des rois. Oui, Dieu, tu as dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Je déclare que ma chambre devient comme la porte des cieux. Que le Dieu grand, fort et redoutable, le Dieu paisible, habite en moi. Répétez après moi, puisque je m'abrite tout près du Très-Haut, je repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel,
Tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me délivres de la peste et de toutes sortes de fléaux. Cette nuit, tu m'abrites de ton aile. Tu me couvres alors que je suis caché sous ton plumage dans un abri sûr. Nous allons maintenant chanter ce chant qui dit « Abrite-moi ». Fidélité est un bouclier. Elle est une armure pour moi. C'est pourquoi je n'ai plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant la journée, ni la peste, la maladie qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe à plein midi. L'Éternel est mon refuge, car j'ai fait du Très-Haut mon abri. Aucun mal ne m'atteindra. Nul malheur n'approchera de la maison, de la chambre, du lit où je demeure. Car tu as chargé tes anges de veiller sur moi et de me porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Tu as dit, parce qu'il s'est attaché à moi, je le sauverai et je le protégerai. Car il me connaît, il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui. Même au moment de la détresse, je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Seigneur, tu m'as fait une promesse.
celle d'entrer dans ton repos. Cette promesse est toujours d'actualité, c'est pourquoi je vivrai pour toi et je m'endormirai avec toi. Je m'efforcerai toujours de te plaire, je ne veux pas retourner en arrière, au contraire, je persévérerai. Alors que je m'endors, Seigneur, tu me couvres de ta main et mon âme le reconnaît. J'ai entendu la bonne nouvelle, tout comme ton peuple dans le désert. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien car ils n'ont pas cru. Mais moi, je crois. Et ce soir, j'entre dans ton repos. Conformément à ta parole qui dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que tu as parlé alors que ton œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, tu as dit quelque chose à propos du septième jour. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Je suis ce certain. C'est moi ce quelqu'un. Et si ceux qui ont entendu les premiers la bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils t'ont désobéi, moi, je marche dans la sainteté par ton pardon et ma communion avec Jésus. Tu as déclaré dans les psaumes de David, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Seigneur, j'entre dans ton repos. Comme tu es entré dans le repos du septième jour, j'entre dans ton repos, car je suis ton peuple. Je suis ton peuple. Tu déclares que celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme toi, Seigneur, tu te reposes des tiennes. Voici maintenant le temps du repos, et je m'empresse d'entrer dans ce repos de sainteté et d'obéissance. Ta parole, Seigneur, est vivante, elle est efficace. Et pendant cette nuit, elle agit dans mon cœur et dans mes pensées. Au septième jour, tu as achevé tout ce que tu as créé. Alors tu t'es reposé en ce jour-là de toutes les œuvres que tu as accomplies. Et tu as béni ce septième jour, ce jour qui t'est réservé. Me voici dans le septième jour. Tu es mon septième jour. Tu es mon lieu de repos. Tu es mon repos. Tu as dit des méchants, vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Mais à moi, mon lit est bon. Tu es ma couverture et mon oreiller. Tu m'as dit, Seigneur, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Seigneur, tu seras avec moi pendant cette nuit. Tu me donnes du repos de tous côtés. Moi, je crie à toi et tu me sauves. Le soir, le matin, à midi, je soupire après ta présence et tu me fais entendre ta voix. Tu me remplis de ta présence alors que je m'endors. Mon âme trouve la sécurité et le repos. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu rends toute pensée captive, obéissante à Jésus-Christ. Jésus, tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois ce repos. Aujourd'hui, je me soumets à ton fardeau. Vous pouvez déclarer avec moi, Jésus, je viens vers toi ce soir. Je viens vers toi en cette nuit. Je m'approche de ta présence. Je m'approche de toi. Et tu as déclaré que tu t'approcherais de moi. Seigneur, viens, toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu gardes Israël, tu gardes mon corps, tu gardes mon âme et ma famille, tu gardes mes pensées. Je bénis ma famille et je déclare qu'elle est bénie de toi, ma maison tout entière est maintenant remplie de la présence de Dieu. Toute oppression spirituelle me quitte, quitte cette maison, quitte mes pensées,
quitte mes enfants et mes bien-aimés. Ta présence, ô Dieu, remplit ma vie. Ta présence est sur moi et elle me satisfait. Une douce présence vient sur moi. Ce n'est pas maintenant le temps du tremblement de terre, mais c'est le temps de cette douce brise, de ce doux murmure léger qui vient dans ma chambre maintenant. Jésus, je t'invite. Voici, j'ai fait mon lit. Maintenant, j'y suis. Le temps du repos est arrivé. Et je déclare que même si mes ennemis sont nombreux, même si j'ai des difficultés, même si des soucis voudraient assaillir mes pensées, je suis plein de la présence de Dieu. Je suis rempli d'une présence de paix. Je suis saturé, saturé de ta présence. On va encore déclarer, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes et couvre-moi par ta main puissante. Et pendant qu'on va déclarer cela, la présence de Jésus va descendre sur vous, va descendre dans votre lit. Alléluia. Ouvrez votre cœur à la présence de Jésus. Le soir, il veut vous visiter. Il veut vous toucher. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Même si les océans se déchaînent, la journée n'a peut-être pas été facile, je les traverse. Cette soirée et cette nuit seront paisibles. Avec toi, oui, cette journée a peut-être été dure, mais tu remplis mes pensées. Tu domines tempête, les tempêtes. Tu domines mes pensées. Tu domines sur mes ennemis. Tu domines sur mes problèmes. Tu domines sur mes difficultés. Tu domines sur les circonstances négatives. Tu domines sur ma maison. Tu domines sur mon être. Tu domines sur mon corps. Tu domines sur mon sommeil. Tu domines sur la nuit. Abrite-moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes remplis de la présence de Dieu. Le bon berger donne du repos à votre âme. Le bon berger vous remplit de sa présence. Le bon berger veille sur vous maintenant. Je déclare la gloire de Jésus maintenant sur vous. La présence du roi des rois en vous maintenant, sur vous maintenant. Laissez-vous remplir par la présence du Saint-Esprit. Laissez-vous toucher par le Seigneur Jésus. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis en paix, je suis en paix car tu es là.
3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à toi, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est toi qui me conduis au bord des eaux calmes. Tu me rends des forces neuves alors que je m'endors. Et pour l'honneur de ton nom, tu me mènes pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me dirige et ton bâton me protège. Pour moi, en cette nuit, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe en cette nuit, elle déborde. Oui, toute ma vie, toutes mes nuits, toutes mes soirées te seront consacrées. Et pendant toutes mes nuits, ta bonté, ton amour, ta présence, ta paix m'envelopperont. Et je pourrai retourner vivre dans ton temple. Je déclare, alors que la nuit est tombée, que ta présence jaillit dans mon esprit, que mon repos est tranquille et je marche en sécurité. Je suis gardé et protégé par le Dieu Tout-Puissant et ses anges qu'il a mis à mon service. Je dors en sécurité. Même si j'étais dans le désert, ta main est sur moi. Même si j'étais dans la forêt ou dans un lieu dangereux, je pourrais dormir en paix, car tu me rassures et tu vis en moi. Merveilleux Jésus-Christ. Déclarez cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi en cette soirée et je veux te donner toute ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends mes pensées. Prends tout ce que je crois être à moi. Prends tous mes biens. Je te donne tout. Je ne veux rien garder pour moi. Aucune colère, aucune amertume, aucune oppression dans mes pensées. Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai péché. Et je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Et je te glorifie parce que je ne demeure plus dans le péché. Ce n'est pas mon habitude. Je ne vis plus dans le péché. En réalité, je ne pratique plus le péché. Car ta main est sur moi. Et le diable ne me touche pas. Je suis ta propriété. Je suis à toi. Je suis à toi. Jésus-Christ, je vais te donner cette nuit maintenant. Prends-la. Prends mes rêves. Prends mes pensées. Je prie pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Bénis leur vie. Touche-les par ton amour. Que ton amour les saisisse. Que ton amour les touche. Je veux m'endormir en pensant à toutes ces personnes. Car tu m'as envoyé dans le monde pour les bénir. Tu m'as envoyé pour prier, être une sentinelle. Tu m'as envoyé pour faire du bien. Non pas pour maudire, mais pour bénir. Non pas pour parler en mal, mais pour avoir des paroles
bienfaisante. C'est pourquoi, Père, je prie pour eux. Toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, celles que j'ai rencontrées ce matin, ce midi, cet après-midi, en cette soirée, je les bénis. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie et que comme Jacob, l'échelle est là. Et tes anges descendent et montent. Mon âme ce soir, en cette nuit, devient comme ton âme, Seigneur. Je vis dans le repos. J'entre dans ce repos. Et je dors dans ce repos. Fermez vos yeux et laissez-vous remplir par le Seigneur. Dites-lui avec vos mots, Seigneur, touche-moi. Je m'endors avec toi. Tu es là, Jésus. Avec moi. Tu ne me laisses pas seul. Tu viens vers moi. Je suis heureux, Seigneur, de t'appartenir. Heureux de vivre pour toi. Heureux d'être à toi. Je suis ta propriété. Ton épouse. Ton enfant. Tu m'as tellement aimé que tu t'es offert pour moi. Et en cette nuit, je veux te dire merci pour le prix payé à la croix, pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Oui, je regarde au ciel ce soir. Alors que tu es assis sur ton trône, les pans de ta robe remplissent le temple, remplissent ma chambre. Je suis rempli de la présence de Jésus. Et toute ma maison est remplie de la présence de Jésus. Maintenant même. Et pour toute cette nuit, je dormirai en paix. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je veux maintenant vous souhaiter une excellente nuit, chers amis, dans la présence de Jésus. Que le Seigneur vous inonde et vous remplisse de sa paix et qu'il vous donne des rêves inspirés. À tout à l'heure. En prière inspirée.